Yo tout le monde, c'est VHJ Gaming Theory. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tuto pour savoir comment installer un logiciel de capture d'écran, en gros, pour filmer son PC comme moi en ce moment, le fils de pute. Donc voilà, ici comment. Bien sûr, le lien sera dans la description. C'est Overwolf, logiciel. C'est pour les surplus de jeux, mais il y a une très bonne capture d'écran pour les vidéos et tout. Donc voilà. En arrivant sur Overwolf, vous aurez ceci avec un fond de League of Legends en direct, vraiment en direct. Et vous faites free download. Et comme vous voyez, faut vous faire un compte, votre username, votre email et votre password. Et confirmation, je ne suis pas un robot. Bien sûr, on sait, on n'est pas des robots. À moins qu'il y ait des petits fils de pute de robots, mais en tout cas. Donc, sign up. Bien, vous aurez un installeur juste ici. Donc rendu là, vous fermez ce truc. Donc vous aurez ce logo. Putain de merde. Bon. Vous aurez ce logo avec un loup, un wolf face, qui sera écrit Overwolf. Donc si vous entendez mon chien, bah, c'est parce que j'ai un chien bien sûr. Donc voilà, en ouvrant ceci, ça vous ouvra le rond ici, espèce de. Donc en partant, vous n'aurez pas le logiciel de capture d'écran, vous n'aurez pas ce logiciel ni ce logiciel, vous n'aurez que ces trois là. Pour commencer, vous n'aurez que ces trois là. My skin, App Store, and browser, mais vous n'aurez pas ces deux-là. Donc pour avoir ces deux-là, vous mettez le pointeur sur Capture and Streaming, vous faites clic gauche, et vous avez Game Capture Installed. Donc c'est celui-ci que je prends pour faire la capture d'écran de mes vidéos, donc voilà. Et c'est un autre de préférence de celui du petit trou qui restait. Moi j'ai mis Twitch, mais vous pouvez en mettre d'autres comme je vais le faire. Disons celui-ci. Donc celui va s'ajouter juste ici pour le soundboard, je sais pas à quoi il sert, donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé, j'espère que cette vidéo sera utile. Abonnez-vous et au revoir.